Elle est partie au moment où j'ai commencé à l'aimer. J'ai bien envie de vous poser une question. Le théâtre reprend ses droits en Côte d'Ivoire. Le soleil de Cocody aussi. Diallo Tikwayi Vincent veut donner une nouvelle impulsion aux planches ivoiriennes à travers une de ses créations qui ne manque pas d'intérêt. J'ai eu la mauvaise idée de lui signer un chèque à blanc. Elle a pris mon chèque. Elle a montré à sa mère qui fut à l'époque l'une de mes fiancées que je n'avais pas épousée. Les deux se sont mis ensemble. Elles ont vidé mon compte jusqu'au dernier centime. L'impossible voisinage, sa dernière création, est à l'affiche au cinéma La Fontaine Sokossé à partir du 1er janvier 2014. Il s'agit d'une belle histoire qui se passe en trois personnages qui ont un sort commun. Un spectacle à rebondissement où nous avons le rire et nous avons la réflexion. Un mois de spectacle pour signer le retour du théâtre en Côte d'Ivoire. Diallo Tikwayi Vincent est un vieux de la vieille. Il joue avec deux jeunes filles qui ne sont pas des novices. Il s'agit de Yemi, Kwasi Germain, que nous connaissons tous dans l'émission « Faut pas fâcher ». Et puis, il y a une étoile montante, une fille extraordinaire, une fille qui éclabousse vraiment le personnage qu'elle a. Elle écrase. Dites-moi, qui vit de la puanteur? Pourquoi me posez-vous cette question? Je voudrais savoir le nom de celui de celle qui vit de la puanteur. Vous êtes la réponse à votre propre question. La caravane du soleil de Cocody après Abidjan va aller à la conquête du public à l'intérieur du pays.